avec joie, nous chantons pour le Seigneur. C'est un cantique connu. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon sang, et mon univers, tout est en toi, mais on va te faire ton nom. Ok, l'amour, ok, le prix. Ce que Dieu en Christ nous a donné. Il est déjà 10 heures 2 minutes. J'invite mon frère Christian pour la prédication de la parole. Soyons attentifs, car le Seigneur va nous parler. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite toutes les bénédictions de la part de notre Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Et qu'il nous bénisse. Jean chapitre 1er. Au verset 3. Omolongo na misato. Toutes choses biloko biso ont été faites par elle. Bisalemaki na ye. C'est-à-dire par la parole. Inkuloba na liloba. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Eloko mokote na we salemaki zan ko salemako zanga liloba.
En elle. Kati na liloba. Verset 4. Molongo na mine. Était la vie. Bomoi et jalaki. Nous pouvons dire. Trikoloba. En elle. Kati na yango. Il y a la vie. Bomoi jali. Encore ce matin. Jesus na ntongo alelo. La vie est dans la parole. Bomoi et jali kati na liloba. Et la vie était la lumière des hommes. Bomoi et jalaki pole pona bato. La lumière lui dans le ténèbre. Pole kongenga kati na milili. Et le ténèbre. Kasi milili. Mais l'on point récit. Yamba ki yangote. Si tu aimes la parole, soko linga kaliloba, remercie le Seigneur. Tonankolo. Les gens ne supportent pas la parole. Batu bandi makaliloba te. Ceux qui acceptent la parole sont les enfants de la promesse. Bazali bana na elaka. Ils sont partis de la parole. Bango bazali eteni ya liloba. Ils aiment la parole. Balinga kaliloba. Ils vivent la parole. Babika kaliloba. Ils obéissent à la parole. Batosa kaliloba. Mais ailleurs. Kasesika mosusu. Quand vous prêchez la vraie parole, on ferme la porte, on vous chasse. Les gens aiment les chimères. Les gens aiment qu'on les flatte. Mais ici, nous prêchons la parole. La parole que nous prêchons, c'est la parole de la promesse. Et cette parole corrige, exhorte, sensible, mais dans toute douceur. Notre prédication, c'est vous exhorter à revenir aux expériences qui ont été promises et que Dieu par la parole a ordonné que ça soit restauré. Et notamment, il y a la repentance. Il y a la conversion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Actes des apôtres. Dans le chapitre 26. Paul dit aux actes. Il dit, nous prêchons la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique de zèle digne de la repentance. C'était ça le message au commencement et c'est ça le message ici à la fin. Et quiconque est de la parole, son cœur sera saisi, l'humilité lui sera accordée, la repentance sera créée et tuée. Qui accorde la repentance le consolera en lui donnant la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et le Amen. Voilà notre prédication. C'est dans cette prédication qu'il y a la vie. Verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Dis-moi maintenant. Frère Franck, vous avez votre plan. Vous avez mon bon abino. Nous sommes dans les plans de Dieu. Il a résolu de sauver les croyants par la prédication. Et d'ailleurs, Paul dit par la folie de la prédication. Comme j'écris là, vous qui recevez, vous êtes sauvés. C'est ça la voix de Dieu. Dans chaque génération et dans notre génération, Dieu a dit Élie viendra et toi tu viens nous dire où est le nom de Branham dans la Bible, mais où est le nom de Jean-Baptiste dans la Bible. Jean, quand il nous dit il y a un homme, nous savons qu'il parle de Jean-Baptiste, mais avant cela, quand on demande à Jean qui est-il, il a dit quoi? Je suis Élie.
Isaïe 40. Je suis Malachi 3. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais comment ça? Dans le désert. Oui, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais Dieu savait que là où il envoie, là où Dieu agit, les élus viendront. Comme ça que quand Jean commence à travailler, frère, il n'a pas de méthode pour que l'église soit remplie. Nous n'en avons pas pour que l'église soit remplie. Dieu qui vous connaît, il vous a prédestiné. Il sait combien d'âmes il confie à Monsieur Gabi pour les garder et les conduire jusqu'à ce qu'il revienne. C'est comme ça. L'histoire des Samaritains. L'histoire de Samaria. Quand on l'a ramassé, on a ramassé l'homme là qui était tapé. Vous connaissez bien l'histoire, c'est juste une parenthèse. La Bible dit, un homme, il était à Jérusalem. Au lieu de rester à Jérusalem, la Bible dit, il descendait de Jérusalem. Et pourtant, le message est que nous puissions monter tous à Jérusalem. Quand nous montons à Jérusalem, le Seigneur nous aide. Quand nous arrivons dedans, nous restons en sécurité. Parce qu'à Jérusalem, il y a des murailles. Des murailles, il y a des sentinelles. Quand le malheur arrive, les sentinelles vont annoncer et nous serons en sécurité. Mais voilà l'homme, un lévite soi-disant, qui devait travailler. Donc il est là, il quitte Jérusalem. Quand vous quittez Jérusalem, vous vous exposez aux bandits. La sécurité, c'est dans la parole. Quand vous quittez la parole, il y a beaucoup de brigands partout. On paie sans zamba kopambola. On ne fait que vous rançonner. Tu peux donner même ta propre maison, tu n'iras pas au ciel parce que tu donnes l'argent. Le sali, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Il n'y a que celui que vraiment Jésus a sauvé, qui est sauvé. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, là en chemin, il a rencontré les brigands. Ils l'ont dépouillé. Quand il avait encore quelque chose, on fait le veiller chez toi, on prie chez toi, et puis Moussala Sokika, que si tu n'es plus ministre, on t'abandonne. C'est en ce moment-là que notre bon Samaritain, le Seigneur de gloire, quand tous t'abandonnent, même les prêtres l'ont abandonné. Il n'y a que Jésus qui nous sauve. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous aime sans condition. Et quand il nous trouve dans un état comme celui-là, c'est son travail à lui de nous consoler, de nous fortifier, de nous guérir et même de nous donner l'huile. Écoute, quand le Samaritain qui est notre Seigneur arrive, il s'arrête. Il a eu pitié de toi, mes frères. Il les regarde. Le premier soin, ce n'est pas le pasteur qui le donne. Non. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas ici. Ces brebis-là, je dois aller les chercher. C'est comme ça qu'il lui est allé. Il a ramassé cet homme-là. Quand vous lisez votre Bible, c'est l'histoire du bon Samaritain. Vous pouvez lire à la maison. Vous verrez, il a lui-même pensé les plaies. Quand
Quand il nous a retrouvés, nous chantons ensemble. J'étais perdu dans ce monde. Loin de sa face. Mais quand il nous a cherchés, tu m'as cherché. Tu m'as trouvé. Tu m'as sauvé. Alors j'ai dit, merci Seigneur. Si aujourd'hui tu es ici, ce n'est pas un hasard. Crois que la main puissante du bon berger t'a trouvé là où tu étais et t'a ramené ici. Ça c'est l'hôtellerie. Et quand vous venez ici, nous n'avons pas besoin de votre argent. Si vous amenez l'argent, vous donnez ça à Dieu en reconnaissance de ce qu'il a fait dans votre vie. Maintenant, quand il amène le croyant, parce que la Bible dit le Seigneur a ajouté à l'église, il appelle l'hôtelier, le pasteur, le berger, et il lui dit, prends soin, alléluia, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Car lui-même prend soin de vous. Mais ici, il dit au pasteur, prends soin de cet homme. J'ai déjà fait le nécessaire. La plaie ne va pas pourrir. Il n'y aura pas de gangrène. Parce que j'ai mis le vin. Et j'ai mis de l'huile. Donc, il sera zélé. Parce que je lui ai donné la stimulation du vin. Et il a l'onction sur lui. Une onction qui doit demeurer. Pour qu'il soit enseigné toutes choses. C'est comme ça que nous lisons la Bible. Et toi, avec l'onction que Dieu a mis sur toi, tu dis Amen. Parce que c'est le Seigneur qui te révèle ce que le pasteur lit ici. Une relation entre la chair et celui qui est au fond. Nous nous lisons. Mais Dieu vous explique cela de sa manière. Alors dans le cœur vous dites, c'est ainsi. Que cela me soit fait. Que je devienne ce que Dieu dit. Et quand vous sortez, on commence à regarder. Mais ce n'est pas cet homme qui était aveugle là. Les autres disent non, c'est pas lui. Non, celui-là il est aveugle. Et puis toi tu y entends. Alors tu leur dis, c'est bien moi. J'étais aveugle. Mais après la réunion de ce matin, quelque chose est arrivé. Mes yeux voient. Que les aveugles disent amen. Que les boiteux disent amen. Que les malades disent amen. Que les pécheurs disent amen. Dieu vous accepte comme vous étiez. Mais ce matin, que personne ne sorte d'ici comme il est venu. Soyez sanctifiés. Soyez délivrés. Soyez affranchis. Et recevez le Saint-Esprit. C'est possible. Dieu est ici. Jésus est ici. Il est ici. Il est la parole. Il est vrai. Il est fidèle. C'est un Dieu qui ne ment point. Est-ce qu'il avait menti à Sarah? Est-ce qu'il a menti à Zacharie? Est-ce qu'il a menti à Jonas? Il est le même. Aza lolenge moko. Aujourd'hui, lelo, et éternellement. Et croyez-vous qu'il est là? Sentez-vous sa présence? Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux et les voir? Il est ici. Azali awa. Il est ici. Azali awa. Il est l'alpha. Azali alifa. Il est l'oméga. Azali omega. Il est Dieu. Nzambe. Il est le grand médecin. Il est le Dieu tout puissant. Azali nzambe. Tout puissant. Tout puissant. Tout pouvoir. Ezali na loboko na ye. Si tu crois ça, soko ndimi yango. Tu ne viens pas comme tout le monde. Okoya te lokola moto nyoso. Toi tu viens. Yo ye. Comme les Romains. Lokoya ba moto na Roma. Tu lui dis. Obina ye. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Osa bosenga to sala bokasi. Pour venir dans ma maison. Otoya na ndako na ngai.
Je crois que tu es Seigneur. Et le Seigneur Kolo donne les ordres et on les exécute. Donc là où tu es, je n'ai même pas besoin que frère Gabi impose la main. Je suis déjà prêt. Dis seulement un mot. Ma situation va changer. Venez comme ça. Je vous dis la vérité. Vous verrez les choses. Lisons rapidement pour avancer. Nous sommes dans les livres de Jean. Là, il est dit, verset, vous avez vu, verset 5. La lumière, lui dans les ténèbres. Cette parole ce matin est en train d'examiner là où il y a les ténèbres. Si c'est ton cœur, commence déjà à donner la gloire à Dieu. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. Ce matin, je vous dis, levez-vous et devenez lumière. Identifiez-vous à la lumière. Fuyez les ténèbres. Aimez la lumière. Bolinga pole. Mais ici, le ténèbre Milili ne veulent pas recevoir la lumière. Est-ce que c'est un problème? Même si la nuit dit, il ne faut pas que le soleil vienne. Je dois quand même prolonger mon temps. Ça va marcher. Quand le temps arrive, quand le temps arrive, on commence à compter comme les sentinelles. 5h, 5h10, 5h20, 5h20. Frère, déjà à 5h là, tu es là. Tu vois comment la lumière est en train de venir. Le ténèbre se dissipe. Et Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fuit. Dans la nouvelle création, ce matin, c'est le même Dieu qui ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, pour que la lumière jaillisse de votre cœur. Dites-moi quelle ténèbre va résister. Quel obstacle va résister. Je vais vous montrer comment cela arrivera. Mais nous disons, les ténèbres, ça, ce sont les enfants prédestinés, comme nous l'avons lu, les vases de colère. Il y en a, frère. Malheureusement, jusque ce soir, ce matin, dans nos assemblées, il y a des vases de colère. Mais nous, nous prêchons aux élus. Et nous pensons que vous êtes tous des élus. Mais la réalité est que nous sommes encore dans le temps où il y a deux semences. Il y a une semence du malin, il ne veut pas se semer ailleurs. C'est ça le problème. Ce que Satan fait, il n'y a que là où Dieu a commencé. Il attend toujours. Quand Dieu commence, il sème, il finit. Comme nous prêchons là, nous sommes en train de semer. Quand nous disparaissons, l'ennemi envoie aussi en nous. Partout où nous avons semé là. Mais il y a une veste noire. Il vient avec une veste noire en train de semer dans les mêmes champs. Quand les disciples l'ont entendu, mais Pierre s'est fâché. Mais Seigneur, Kolo, mais ordonne, non? Pourquoi vous du matin assemblée, ça n'a pas frère que dans l'assemblée, il y a bizarre l'imapé. Il y a des frères qui ont un mauvais comportement. On doit les chasser. Jésus regarde et dit non. Habite. Il n'y a que moi. Je connais mes brebis. Vous ne les connaissez pas. Ne faites pas ça. Parce qu'en voulant enlever la mauvaise semence, vous risquez. Vous risquez de déranger la bonne semence. Vous voyez, frère. Donc la pluie tombe si les justes le veulent. Il laisse un mauvais frère là dans nos milieux faire des bêtises. Non, Dieu a son temps. Dieu a son temps. Et puis il dit, attendez.
Autant marqué, j'enverrai des anges. Avec la précision, ils vont d'abord lier Matiti Mabé. Et ensuite, Matiti Yamalamu, dans la bonne semence, on va recueillir ça dans les greniers. Maintenant, je vous dis que ça, c'est pour bientôt. Les prédications qui se passent maintenant font le travail de séparer les méchants et les bons. Si vous dites amen à notre prédication aujourd'hui, louez le Seigneur. C'est une grâce. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Mais toi tu dis amen. Même à la parole qui te condamne. Parce que tu sais ce que toi tu veux. C'est que la parole devienne une vie dans ta vie. Que Dieu nous aide. Non? Moi je vais ce matin. Que le Seigneur me dépouille. Je vais ce matin. Que Dieu me nettoie. Je vais ce matin. Que Dieu me délivre. Je vais ce matin. Que Dieu me remplisse. C'est pourquoi les prophètes priaient en disant sauve-nous, Seigneur, et je serai sauvé. Guéris-moi, et je serai guéri. David lui dit crée en moi et là, un nouveau cœur. Quand il le reconnaît, je suis allé chez Bathsheba. C'est que j'avais vraiment mauvais cœur. Maintenant je te prie, crée en moi un nouveau cœur. Donc David a compris. David a sosola qui? Il dit même à Dieu. Abi, il dit, j'ai été conçu dans les péchés. Enfanté dans l'iniquité. Voilà ma nature. Et toi tu m'aimes. Tu me dis, allez, quitte. Tu m'appartiens. Mais je suis venu tel que j'étais avec un mauvais cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond de moi. Alors ce n'est pas mon problème. Ce que toi tu veux, mais tu l'obtiens. Maintenant, comme tu veux que la vérité soit là dans mon cœur, toi-même, prends la vérité là où elle est. Toi-même, amène la vérité. Toi-même, ouvre mon cœur. Toi-même, plante la vérité dans mon cœur. Voilà une prière selon la volonté de Dieu. Mais toi, comment est loco? Nos frères, Ngaïté, Yenda Bandaki. C'est lui qui a commencé. Quand est-ce que tu vas te répandre? Avec des justifications comme ça. Même pour arranger une petite chose, tu as menti. Mais maintenant, mon frère, pardonne-moi. Vraiment, je ne voulais pas, mais c'est quoi ça? On ne vient pas à Dieu comme ça. Le cœur doit être touché. Le cœur doit être brisé. Dieu connaît ton cœur. N'essaye même pas de faire des apparences. Esaïe 57. Isaïe 57. On est ensemble. Acabe explication. Non, Ngaïté, frère Moutoua Bandaki, c'est tel frère qui a commencé. Non. Avant de venir, je disais à l'église. Vous vous plaignez de vos enfants. Frère, on a tout fait. Nous avons tout sali. J'ai demandé à l'assemblée. Combien d'entre vous obéissent à la parole? Dieu est votre père. Lui aussi vous donne des instructions. Est-ce que vous le suivez? Vous n'obéissez pas à la parole. Mais vous voulez que les enfants vous obéissent. Ça ne va pas comme ça. Nous devons comme ça maintenant commencer à sentir notre misère. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des enfants de Dieu obéissants. Les maris doivent aimer sa femme avant d'exister. Exiger la soumission. Les parents doivent aimer Dieu et obéir Dieu, se soumettre à Dieu avant que les enfants leur soient soumis. Amen. Amen.
Vous cachez votre mais ça doit être comme ça. Et la restauration, c'est quoi? Nous vous ramenons à cette prédication. Le début doit être comme la fin. Au commencement, c'était la repentance. Jean. Yohane. Même s'il était seul au désert, quand il a vu les gens, il n'a pas dit ah, Dieu m'a béni. Oh, il a confirmé mon ministère. J'ai une grande assemblée. C'est d'ailleurs un piège. Parce que tu ne connais même pas qui est qui. Je loue encore le Seigneur. Parce que nous pouvons nous connaître. Je peux aller à genoux, prier pour celui-là, pour celui-là. Mais je ne dis pas que les grandes assemblées, c'est mon frère. Mais n'oubliez pas, frère. Il est écrit, ne crains pas petit troupeau. Même dans la multitude que vous voyez là. Pour Dieu, il n'y a qu'un petit troupeau. Mais c'est le problème. Voilà. Jean-Baptiste. La Bible dit, voyant les gens venir, Balamoko, race de vipère. Si c'était toi, je n'ai pas de courtoisie, frère. La parole doit être assaisonnée. Qui t'a dit ça? La parole, nous devons la lire comme je vous la lis là. Elle est la lumière. Elle est venue dans le monde. On dit les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est quelle ténèbres? Ce sont les hommes qui vivent dans les ténèbres. Si vous voulez le comprendre, lisez dans Jean 3. Verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Au verset 19, il est dit les hommes n'ont pas aimé la vie de Dieu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jusqu'aujourd'hui, le frère M. Collard dit celui qui a commencé, il achèvera. Mais il a commencé où? Il a commencé quand? Quand il commence, c'est visible. Tu ne peux pas être en présence du Seigneur et repartir sans qu'il y ait des effets. Non, c'est impossible. Ce matin, Dieu peut te changer. Dis seulement amen. Maintenant, il dit race de vipère. Qui vous a appris à fuir ma colère à vous? Nous venons ici par amour pour notre Dieu. Nous ne fuyons pas l'enfer. Nous ne fuyons même pas la misère. Quand tu n'as pas le travail, frère, on connaît tout ce qui se passe avec toi. Mais dès que Dieu te bénit, l'explication est bandée. L'explication commence. Vous savez, frère, dans la vie, même la vie naturelle, dans le monde ailleurs, là, quelqu'un qui a des excuses, il ne va pas travailler dans le boulot. Le loyer, aujourd'hui tu viens. Non, je suis en retard, ma femme. Demain, tu viens encore. Oh, mes enfants. Quelques jours après, on va te remplacer. Ils sont comme ça. Ils ne croient pas, mais ils aiment respecter la parole. Mais nous aussi, les croyants, nous avons pris un engagement d'une bonne conscience envers notre Dieu que nous allons te servir, nous allons te suivre dans les bons ou dans les mauvais jours. Et c'est ça qui fait notre différence. Notre sourire ne dépend pas de ce qui est dans le congélateur. Notre sourire ne dépend pas de ce qui est dans nos banques. Notre sourire, c'est ce que Psaume dit, Psaume 51, redonne-moi la joie du sali. Nous devenons tristes quand quelque chose de mauvais s'est collé à nous. Et là, on est tristes. Nous cherchons la face de Dieu.
jusqu'à ce que cette chose soit enlevée. Et la paix vient dans notre cœur. Selon Romains 5, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous ne marchons pas comme ça en désordre. Quand ça ne marche pas dans notre marche spirituelle, on arrête tout. Pas un pas sans Dieu. Pas un pas sans Dieu. Et on commence à fouiller. C'est en parlant avec les frères. Où est-ce que j'ai offensé mon Seigneur? C'est le travail que l'Esprit fait dans un croyant. Mais pour cela, il faut que le débit soit bien. C'est pourquoi Jean leur dit, répentez-vous, produisez-le. Porter les œuvres de la répentance. Celui qui s'est repenti, c'est celui qui s'est converti. Il allait à l'est. Il désormais frère. Il tourne le dos. Il va à l'ouest. La conversion est une réalité. Quand c'est arrivé chez Paul, il dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'avait mis à part de révéler à moi son fils bien-aimé, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est pas un problème. Oh chérie, est-ce que vous appelez ma bé? Pasteur, est-ce que vous portez le ceci, c'est mauvais? Non, on n'est pas là pour ça. Si ton cœur ne te condamne pas, mais continuez. Parce que Moïbi, le vrai voleur, le vrai voleur. Moïbi a solo. Mais quand il a fait un coup, tant est-ce qu'il est triste? Il va au bas. Il appelle les amis. Avec qui Baba? Ils se réjouissent. Baba réussit le coup là-bas. Ils ont réussi leur coup. C'est Sanati. Mais toi, Kasiyo, tu n'es pas comme ça. Oza lolenge wanate. C'est pourquoi quand ça arrive, tango yango esalemi, la joie disparaît. Esengo elimu ekei. Notre joie, c'est quand tout va bien avec Dieu. Et quand c'est bien avec Dieu, c'est bien avec mon frère, c'est bien avec ma soeur. Il n'y a que celui qui a été pardonné qui pardonne sans effort. Mais yo, 10 ans après, frère, tu parles parce que tu ne connais pas l'affaire. Sœur Wana, cette sœur, Benga traita kangaï. La manière dont elle m'a traité, on dirait Naza Soki Ndenge Nini. Comme si je suis, je ne sais comment. Ma sœur, c'était quand? Et ça qui t'a rendu? Bon, ça, je crois en 2002. Je pense en 2002. Ah, ma sœur. Ah, nous l'avons massé. Donc, Batongo Ezotana Ezokweya. Yo, le soleil se lève, se couche. La chose là ne t'a pas quitté, n'a pas quitté ton cœur. Mais Dieu. Bon, mon Zambé. Était en Christ. Azekati en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et le moko. Écoutez les versets. Yokani en impitant pas aux hommes les bato ma bena bango ma bunga na bango. Ozo yokani linga la lobi malamu. Musala no ka kotanga kotanga. Celui qui ne connaît pas ce qui s'est passé, yo téléphone bandozo. C'est quoi ça? Oh nini. Ba inite no kaka ya bongo. Ko benga bandeko ko funda ba misusu. Aujourd'hui que ça s'arrête. Lelo, Magambouana et Sila. Nous avons besoin de l'église Ecclesia, qui aspire à une pleine restauration. Quand cela arrive, mes frères, le signe, Bilembo, tous les élus, Bapona Mibansu, lisons avec vous d'abord. Totanga, j'ai beaucoup parlé. Lisons. Totanga. Lisons d'abord ce que je viens de dire là avant que Nabo Salayango. Osée chapitre 5. Osée Mokapona Mitano. Lisez avec moi, je crois que. 11h35. Hein? 10h, ok. Je peux quand même avoir encore une vingtaine de minutes. Ma cache est à côté, je la laisse ajouter. Osée 5, hein? C'est ça. J'ai dit ça. Voilà.
Regardez mes frères. Le Seigneur est merveilleux. Tout ce que nous faisons avec vous là était planifié. Et il n'y a rien qui empêchera que le plan de Dieu arrive dans nos vies. Osée 5. Il est écrit au verset 15. Je m'en irai. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Je reviendrai dans ma demeure. Écoutez ça. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Est-ce que vous allez vous entendre? Quand l'action de Dieu commence, pour que ce qu'il a promis pour son peuple prenne place, le vent qui vient amène le sentiment de repentance. Les gens réalisent qu'ils ont été amenés loin de Dieu, loin de la parole. Maintenant, ils désirent la présence de Dieu. Alors, ce qui arrive, ils humilient leur cœur. La Bible dit, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Que l'Église dise amen. Maintenant, comme je vous parle là, en Israël, ça c'est une réalité. Je vous dis, il y a des mouvements en Israël. Éveil patriotique. Éveil patriotique. Ah, waouh. Mais kuna les rabbins éveillent la conscience. Kuna ba rabbin ba kola musa li so soli. Oh la guerre, hey, guerre, hey boy. Frère, ils sont contents quand Benjamin attaque Gaza là. Et ils disent gloire à Dieu. Quand Benjamin attaque Abundisi Gaza ba sepeli babi ke mon enjambe. Ils savent que maintenant il faut que le Seigneur achève. Et te sika Seigneur te kola suki sa musa na. Leur prière, vous l'avez déjà entendu ça. Au milieu de lamentation, ils amènent des bouts de papier avec la même prière. Permets-nous de reconstruire le temple pour que nous puissions voir le Messie. Parce que le Messie ne peut pas apparaître à New York. Le Messie apparaîtra à Sion. Et pour qu'il apparaisse à Sion, le temple de Salomon. En tant que troisième temple promis, doit être debout. Dans l'église, c'est la même chose. Le retour du Seigneur est proche. Lorsque vous verrez que toutes ces choses arrivent, pas que vous entendez, mais vous verrez. Vous êtes dans le pays où le volcan a ouvert la bouche. Et on parle de lave. Vous avez vu ce fait là. Surnaturel qui broye tout à son passage. Mais Pierre 3, le livre de 1 Pierre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Tout ce que vous voyez, c'est réservé pour le fait. Tous ces immeubles que les gens construisent, l'écriture dit les cieux Balola, et la terre, d'à présent, vous passez avec fracas dans le fait que Dieu enverra. Et Pierre dit, en attendant ces choses-là, notre piété doit atteindre sa limite. Et nous devons hâter l'événement de ces choses-là. Bien aimé frère, qu'est-ce que nous disons? Avant que le Seigneur revienne, l'église doit être debout. C'est comment ça? L'église doit avoir un seul cœur, une seule âme, une seule foi. Comme l'écriture le dit, quand vous le lisez, sachez que ça arrivera ainsi. Donc Dieu sait
qu'un temps arrivera où Israël commencera à les chercher. Et maintenant je vous informe, tous les vrais rabbins, tous les vrais juifs, ils veulent que le Seigneur revienne. Mais avant que le Seigneur aille chez eux, il doit terminer avec les nations. Selon Luc 21, Jérusalem sera foulé aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Quand le dernier parmi nous écoutera l'évangile, se repentira, sera baptisé et rempli du Saint-Esprit, la porte sera fermée et l'évangile quittera les nations pour aller chez les Juifs, comme il avait quitté les Juifs pour aller chez les nations. Que l'église dise amen. Est-ce que vous êtes prêts? Pouvez-vous donner à Dieu la possibilité de terminer? Ou vous allez lui demander de vous donner le temps de terminer votre maison? Je vous exhorte. Dans la maison de mon père, il y a de meilleurs palais. Si ce n'était pas vrai, Jésus n'aurait jamais dit ça. Mais il le répète, il dit, mais je vous le dis, il y a beaucoup de palais. Je m'en vais. Vous préparez une place. Quand je terminerai, je reviendrai vous chercher. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Aimez-vous cela? Si vous aimez cette maison, vous devez haïr celle qui est sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Écoutez, quand ils seront dans la détresse, alléluia, amen, ils auront recours à moi. C'est que Dieu fait même avec nous. Il nous amène dans des situations où nous regardons aussi. Ça ne marche pas. À droite, ça ne marche pas. Et il envoie son esprit qui nous révèle maintenant. Ne promène pas les regards entiers. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. C'est quoi le problème? Alors la prière monte. Tu t'agenouilles. Tu commences à dire au Seigneur. Moi j'ai mis toute ma confiance en toi. Je n'ai où aller. Tu es tout pour moi. Tu m'as promis que si je me confie en toi, je ne serai jamais confié. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les choses ne marchent pas pour moi. Dis seulement un mot, ma situation changera. Vous lui dites en le suppliant, sachant qu'il est Seigneur, il peut ou ne pas le faire. C'est lui qui a les derniers mots. Et vous verrez, mes frères, même si la chose n'est pas encore là, dans votre cœur, il y aura une paix. Que vous ne pouvez pas expliquer. Ce que je vous dis, ce sont des expériences vécues. Notre Dieu est une réalité. Tu peux marcher avec lui. Tu peux sentir sa présence. Je vous supplie, mes frères, réveillez-vous du sommeil. Saisissez les promesses. Croyez que Dieu est vrai. Vous pouvez palper que le Seigneur est bon. Et réellement, quand on tourne ses regards vers lui, le visage est rayonnant de joie. Toi, tu regardes où finalement? Si tu me regardes, tu seras déçu. Regarde au Seigneur. Celui qui parle du haut des cieux. Donc, regardez, chapitre 6. Tout de suite là, après avoir annoncé ce qui arrivera, le sentiment que Dieu voulait est créé maintenant dans le peuple. Alors, le message, venez, retournons au Seigneur. Voyez la conversion. N'allons plus dans le sens du monde. Convertissez-vous. Tournez-vous vers le Seigneur. Et vous vivrez.
Bokobika. Car Jambi. Il a déchiré. A pasolaki. Mais il nous regérira. Kasi akobiki sabi. Il a frappé. A betaki. Il bandera nos plaies. Akobama bapota na biso. Est-ce que vous avez mon supposition? Otoke ndeka en église en auto évite so nzamba osunga biso. Hein? Toke ndeka en église. Allons à l'église. Il faut. C'est une condition. Celui qui vient. Et tu vas aller quoi? Crois d'abord. Liboso andima. Que Dieu existe. Et nzamba azali. Il faut dire que nzamba azali awa. Amen. Faut pas dire oh son nzamba. Non, je vous dis ceci. Quand vous venez dans nos réunions, venez étant raciné. Et le Dieu tout puissant. Nzambe nguya nyoso azali kuna. Il se manifestera là-bas. Akomimonisa kuna. Non seulement ça. Kakati yango. Et qui lit les rémunérateurs de tout ce qui le recherche. Personne ne doit quitter ici avec le même problème qu'il a mené. Seigneur, fais-nous grâce. Prouve maintenant que ce que nous disons est vrai. Entre dans la vie de malade. Guéris-les. Sauve. Kangola. Affranchi. Kangola. Libère. Kangola. Nous sommes ses serviteurs. Il n'a pas changé. Ah bon, il dit aux apôtres. Ah, mais allez là-bas. Quand vous allez entrer. Tant vous allez trouver un anneau là. Prédestiné. Ah bon, et c'est bon que ça va quand même. On a parlé de cet anneau. Où t'as mon canard? Mais Jésus dans le Nouveau Testament. Il envoie les disciples. Allez, Bokotawana. Entrez là-bas. Quand vous y arriverez. Alléluia. Amen. Comme ça qu'il nous a envoyé. Il sait qu'il y a des hommes qui sont liés ici. Et nous avons la mission. Nous avons le mandat avec la parole et l'autorité de la parole de déclarer votre liberté. Vous trouverez là, non? Écoutez le message. Détachez-le. C'est tout. Les apôtres. Ben, Thomas. N'ont pas posé de questions. Mais lui-même. Comme il sait toutes choses à l'avance. Il leur dit. Quand on vous demande. Là, où est-ce que vous l'amenez? C'est aussi ça le problème. Les gens font des campagnes. Les gens viennent prêcher. Ils imitent même notre prédication. Pour faire des groupes. Vous amenez ces gens où? Quel est le mandat que vous avez? Mais si on vous demande, ça c'est ce qu'il a dit à frère Gabi. Si on vous demande, les gens que tu réunis dimanche là, tu les amènes où? Nous avons chanté, non? Nous allons à Sion. Et quand nous allons en Sion, nous allons en chantant avec joie. Si quelqu'un nous dit otozonge, si jamais. Nous voulons celui qui nous aide à aller devant, pas celui qui nous ramène encore dans les expériences il y a ce qu'on a. Si on vous dit, où est-ce que vous l'amenez? Écoutez le message. Le Seigneur Kolo en a besoin. Ça dit beaucoup, hein. Croyez-vous que le Seigneur vous aime? Bon, est-ce que ce matin je peux dire ça aussi? Que je dise à Satan. Que je dise au monde. Que je dise à la convoitise. Que je dise au mensonge. Que je dise à la débauche. Que ce sont les enfants de Dieu. Et que Dieu qui est leur maître. Il a besoin d'eux. Toi, tu étais un acquéreur sans papier. Ces hommes et ces femmes, c'est l'héritage de Dieu. La maladie n'est pas leur héritage. Leur héritage, c'est la bonne santé, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit.
Quand je dis ça, là, Satan entend. Satan a toi, tu dois croire. Et Satan qui m'écoute est obligé, au nom de Jésus-Christ, d'enlever sa main sale. Si tout ce qui appartient à Jésus-Christ, vous appartenez à Dieu dès ce matin jusque dans l'éternité. Que l'Église dise amen. Dites amen. Dites amen. Amen. Ils sont venus. Baye. Ils ont détaché. Balongoli singa. Ils commencent à singa. Babani kogende. Eh, bokewap. Vous allez où? Mukolo atindi biso. Le Seigneur nous a envoyé. Il a besoin de cet anneau. La Bible dit. Bibi elobi. On les laissait partir. Batika kala bango bakende. Et ce matin. Antongo. La Bible dit. Bibi elobi. Laisse aller mon peuple. Dika libota anga kende. Amen. Que cela soit amen. Yango ezala bongo. Quand c'est le temps, Dieu vient, il met en toi la révélation que c'est le moment. Et quand tu vas à genoux, tu ne vas pas prier pour des histoires. C'est comme ça même avec Néhémie, l'histoire, on peut parler de beaucoup de gens. Quand c'était le moment, la tristesse vient. Malgré qu'il mangeait, malgré qu'il était chez les rois, c'est quand il apprend que le miracle de Jérusalem sont écoulés. La Bible dit, il est devenu triste. Et il a commencé à prier. Nous aussi, frères, les sentiments de la repentance. Parce que si les choses ne marchent pas dans nos assemblées, c'est parce que nous ne sommes pas encore vraiment à la place qu'il faut. Si chacun de nous, comme le disait William Branham, si les choses ne marchent pas, c'est parce que moi je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je vous exhorte, venez, retournons à Dieu et il nous aidera. Ésaïe 57, gardons la pensée de la repentance pour ne pas nous égarer. L'Ikanisi a voulu m'aider pour te toquer de musicate. Bungate. Ésaïe 57, si vous lisez d'abord Ézéchiel, attendez, Ézéchiel 39, je vais terminer bientôt, ne vous en faites pas. Ézéchiel 39. Lisez la parole ici. Verset 25. Frère, tanga na lingal. Talati na ni boelobin kolo Yahweh. Amen. Sikawa na kozongi sabakange mina Yakobo. Nako yoka mawa pona ndako mebana Israyele. Nako yoka ndako mebana Israyele mawa. Amen. Et je sais que pour un combo d'angaï à boule. Ce qu'on peut dire, amen. Amen. Acte 15, verset 13. Il a jeté les regards parmi les nations. Pour choisir un peuple qui porte son nom. Ça, nous sommes d'accord, c'est toi et moi, non? Alors, l'effet de porter son nom aussi par le baptême. Dieu prononce, il dit, il sera jaloux. Il doit tout faire pour que ce qui n'est pas correct ne s'attache pas à nous. Vous devez le croire. Si tu t'accroches à une chose, Dieu est capable de kokatata loboko. Dieu est capable d'amputer même ta mère. Parce qu'il ne va pas permettre que tu ailles avec ça. Alors la meilleure des choses à faire, laissons tout ce qui est du monde. Les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les mauvaises pratiques. Que Dieu nous aide à réaliser que ça, ça ne vient pas de Dieu. Par conséquent, je n'ai pas besoin d'avoir ça dans ma maison. Il était dit, pas de levain dans vos pains, pas de levain dans vos maisons. Ou pas seulement dit non, nous avons la parole de vérité, mes frères. Quand
Quand vous dites ça, vous dites seulement que frère Gabi, frère patient, ils ont la vérité. Ce n'est pas ça. Il est question, non seulement dans les pains, mais aussi dans vos maisons, qu'il n'y ait pas de levain. Car Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Alors célébrons la Pâque. Non avec le levain de malice. Et d'une vie d'hypocrisie. Mais une Pâque nouvelle. Parce que le but de Dieu c'est que tout soit nouveau. Un nouveau cœur. Dans lequel on peut mettre un nouvel esprit. Il n'y a que là où la langue a été consumée par le feu. Il y aura un nouveau langage. Si cela n'a pas eu lieu, on est toujours comme on t'a enfanté chez ta mère. Comme une pierre brute. Le goût à l'ibango, yo. Tu n'auras pas du travail dans l'édifice. Vous avez ça là, parce que les pierres qu'on va utiliser, ce sont les pierres taillées. Ils à la mesure du fils. Na epimelo, pardon. À la mesure du fils. Epimelo ya moana. On prend la pierre. Akamati. Qui a déjà été taillée dans la carrière. Bapesi angolo lenge. On la met là-bas. Bah même bien mokuna. Yo suki ka tobande ko simba côté wana ya ko taillé. Si on commence à toucher ce côté-là détaillé, si on a pesa lolenge, tu résistes. Wana yo boy. Et quand tu résistes, petango boy, ça casse. Wana makambo bébé. Non, l'obama na lobi. Ebukani. Ce qui libanga na ebukani. Si ça se casse. Ce qui libanga ebukani. Mais on n'aura plus besoin de toi. Bazu na bosenga na yote. Vous comprenez, frère? Bosu libande. Accepter la correction. Bondima bonyolo sami. Laissez que la parole comme un marteau aussi tombe sur les idoles qui sont attachées à vous là. Mettez le baloko la nzondo. Eko ya peliko na yo, eko ya likona bike ko ezakat na yo. Il y a des choses honteuses. Eza na makambo ya soni. On trouve encore dans le milieu de soi-disant frères. Oba kokuta kati na baebaza ko mibenga bande. Mais nous prêchons une parole. Est-ce que ça côté le ba moko? Qui est suffisant. Vous allez à kokoka. Pour enraciner toutes ces choses là de racine. Et vous donnez une vie nouvelle. Le problème est que vous devez accepter cela. Les sœurs, ceux qui habitent bien au Longwa, dès qu'elles sortent ici, on a Kingo, Banil. Elles mettent des histoires au cou. Que Dieu vous aide. Lisons ceci. Alors 26. Alors, ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Écoutez, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Écoutez l'autre verset. Je lis ces choses. Vous pouvez aussi aller les lire chez vous. Mais il est question de Dieu qui annonce ce qu'il fait sur son père. Il dit, verset 27, quand je les ramènerai, donc c'est Dieu qui les fait. Quand je les ramènerai d'entre le peuple, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, est-ce que mes frères vous allez avoir? Amen. Moi, aucun enfant de Dieu ne restera esclave de Satan. La main de Dieu ce matin est tendue partout dans le monde pour libérer ses captifs. Et vous amenez dans des hôteliers là où il a établi des dons. Et il dit à ces gens là, hein, les bons samaritains, dit, prends soin de la moutoye jusqu'à ce que je reviendrai. Est-ce que vous avez entendu? Ne lui demande rien. S'il y a quelque chose à ajouter, comme ton salaire, quand je reviendrai, je te paierai. Voilà. Nos prédicateurs sont payés par Dieu. Ce ne sont pas vos offrandes. Quand tu mets là, tu regardes. Ah, vraiment. C'est que l'on a mon frère Gabi qui a ma veste. David commence à porter des vestes. Incroyant. Oh, incrédule. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Oui, donnez avec votre cœur. Ça,
Et Dieu vous aide aussi. Ça aussi, ça fait partie de la vie du chrétien. Si vous donnez seulement vos dîmes correctement, dans tout ce que vous recevez, et votre offrande, l'église n'aura même pas besoin de venir et vous dire non, non. Parce que nous gérons votre argent très bien. Mais le problème c'est que vous êtes des voleurs. Dès que vous avez un peu beaucoup, vous donnez peu. Beaucoup de frères ne donnent pas leur dîme. Comme c'est écrit, je vous dis la vérité, c'est un problème mondial. Mais je vous dis ceci, les voleurs, même du dîme, ne libéreront pas le royaume. Il faut que Dieu touche votre cœur. Vous puissiez comprendre que si Dieu m'a sauvé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, c'est le sang, ce n'est pas le prix à comparer. Alors moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Juste une parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Quand je les ramènerai, je les rassemblerai du pays de leurs ennemis. Écoutez, je serai sanctifié par eux. Aux yeux de beaucoup de nations, nous sommes la fierté de Dieu. Il travaille sur nous ici en cachette. Mais son but, c'est que quand nous marchons, frère, le miracle nous accompagne. Et quand ça arrive, déjà maintenant, ce matin, voici Dalani, le miracle Bikamwa, qui accompagneront ceux qui auront cru. Bah, oyo, bakondima. Tu me regardes? Otalingai? Je n'ai pas de garde corps. Mais je te dis, kasana lobi na yo, l'ange du Seigneur, moi j'ai l'encolo, atie molako. Autour de moi. Dinga langai. Et le miracle. Pe, kamu, bika, sont derrière bika, moi. Bika, beaucoup de choses arrivent. Parce que la main de Dieu est dedans. Lo boko na njambe, eza na kati wana. Mais toi tu ne vois pas. Yo, sa, komo, mais le miracle. Kasi, bika, mo, m'accompagne. Yo, kota, je vous dis. Abi, nabino, voyez ici là. Bon, en 7 minutes. Na minute. Le ciel. Balola. Est braqué ici. Miso nango etia miawa. C'est quartier. Quartier oyo. Dieu a déjà donné des instructions. Satan, Satana, va partout. Kenda et mais là-bas, ne joue pas. Et je vous dis la vérité, ici, awa, comme disait William Branham, cette salle est sous le contrôle du Saint-Esprit. Bon. Le Seigneur dit, verset 28. C'est quand Dieu fait tout ça. Nos yeux voient. Alors le verset 28. Ils sauront, le peuple, que je suis le Seigneur, leur Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un problème que nous fabriquons des choses. Non, nous venons tels que nous sommes. Dieu travaille. Et quand il accomplit, nos yeux voient. Et nous disons, gloire à Dieu, notre Dieu est tout puissant. Ils sauront que je suis le Seigneur, leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Écoutez bien le verset. Je ne laisserai chez elles, c'est-à-dire chez les nations, aucun. Aucun Élie, aucun Élie ne restera chez qui toi dit. Aucun Élie ne restera catholique. Aucun Élie ne restera branamiste. Le Seigneur a juré, je ne laisserai chez les nations aucun d'eux. Mon côté, Katina Bango. Ça ne s'arrête pas là. Et Suki Wanate. Il continue. A Kobi. Et je ne leur cacherai plus ma face. Bombe la Bango, Lissou Souté et Longinangai.
Quand tu sors aujourd'hui de cette salle, sache que le Seigneur est avec toi. Quand les situations arriveront, souviens-toi Kanisa, qu'il est là. Et ta jali wana. Fais comme William Branham. C'est d'ailleurs lui-même. Il apparaît. Mon ami. Frère Bonhomme marchait. De Bonhomme il entend la voix. Mongongo. Tu ne veux pas marcher avec moi? Le frère Bonhomme. De Bonhomme. Enlève les chapeaux. Alongo lui continue. Tiens comme ça. Et il marche. Avec le Seigneur. C'est pendant qu'il marchait. Qu'il lui dit de relever les yeux. Il voit trois arcs-en-ciel. Et ensuite, les trois se font. Ça devient cela. Et la voix crie. Le Jéhovah. De l'Ancien Testament. Il est le Jésus. Dans le Nouveau Testament. Nous ne nous prêchons pas. Il y a un Dieu derrière ces écritures. Partout où c'est parti, Dieu suit ça. Et les alliés sont Attends, excusez-moi frère, peut-être que c'est ma dernière prédication. Frère patient, soyez souffrez un peu avec moi. Ézéchiel 40. Ézéchiel Tukuminei. Je vais lire en sautant. Juste ces versets ici. Est-ce que c'est 40? Attendez un peu. Non, 47, mais excusez-moi. 47. Ézéchiel Tukumine Nassambo, Bolim Sangai. Regardez. Otala. Verset 6. Molongo na motoba. Il me dit. Albinangai. Fils de l'homme. Moi na moto. A TV. Omoni. Oh, fils de l'homme, il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, écoutez bien ça, cette eau coulera vers le district oriental. Cette eau, c'est l'eau qui sort du temple. Le temple qui sera rebâti à Jérusalem. Dieu annonce les choses qui arriveront. Et le détail que nous lisons ici, frère Franck montre que c'est déjà comme ça maintenant. Mais la suite ici, c'est, je vais vous montrer ça. Il me dit, cette eau coulera, verset 9, écoutez, vers la fin, lorsqu'elle se sera jetée dans la mer. Ça s'appelle la mer morte. Elle existe. Cette mer là. Maïwana, qui est aujourd'hui en Israël. On appelle mère morte. Parce qu'aucun poisson ne peut vivre là-bas. Rien ne peut vivre dans cette eau-là. Mais regardez la promesse. Quand l'eau qui sort du temple va se jeter dans cette mer, la Bible dit, quand elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Mais aujourd'hui, il y a une source qui sort du temple, qui va dans nos assemblées. Partout cette eau arrive, l'eau c'est la parole. Partout cette parole arrive, il y a la vie. Là-bas c'est le naturel, mais ici c'est le spirituel. Et on dit, tout être vivant, qui s'aimait, vivra partout où le torrent coulera. Est-ce que le torrent ont coulé ici? Est-ce que Ephésiens 5 n'est pas une réalité? Ephésiens 5 Christ a aimé l'église. Christ a l'église. Et il s'est livré pour elle. Pour la purifier. Pour la en la lavant. Par le baptême. Quand il répand l'eau sur nous, nous sommes sanctifiés. C'est pourquoi dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Le reste, vous lirez chez vous. Ézéchiel, Ésaïe 57. Isaïe 55 na sambo.
Ésaïe 57. Isaïe tout comme était dans Sambo. Verset 14. Molongo na zo mina minei. Nous disons ça maintenant. Te kotanga yango sika. Ainsi parle le Seigneur. Boye elobinkolo. Dont la demeure et non. On dira verset 14. Molongo na zo mina minei bakoloba. Frayer. Bou pasola. Frayer. Bou pasola. C'est-à-dire on proclamera. Bako sakola. C'est-à-dire nous prêcherons. Parce que quand nous prêchons, nous annonçons les décisions de Dieu. Maintenant, ce matin, nous disons, frayer, frayer, préparer le chemin, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Satan a yoki yango. Satan a entendu cela. Longola mabakunyo sozo tela bana na nzambe. Enlève tout obstacle que tu mets sur le chemin du peuple de Dieu. Dieu veut que vous croyiez. Nzamba lingete bondima. Sans obstacle. Kozanga ebaka. Lui s'occupe des obstacles. Ye akota likambo bibaka. Verset 15. Longola zo mena. Car Nzambi ainsi parle le Très-Haut. Elobi oyo aleki likolo. Dont la demeure est éternelle. Yo efande lona yeza. Et dont le nom est saint. Yo kombo na yeza libule. J'habite na vandaka. Dans les lieux élevés. Na bisike tombo ami. Et dans la sainteté. Mais écoutez le mystère. Mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne vais pas contester à toujours ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombe en défaillance, les esprits, les âmes, à cause de son avidité, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Et puis Dieu a dit, et c'est terminé. Ah frère. Oh, bande. Il faut l'oublier, celui-là. C'est dans les Katanga là. Un frère me disait, frère, il y a des... Tu vois ces frères, oh, les groupes là. Je pense que même parmi les vierges folles, ils ne sont pas là. Ah. Oh, les prédicateurs voient déjà les gens qu'ils prêchent, ils disent non. Non, non. Notre Dieu est riche en miséricorde. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il connaît ce qui lui appartient. C'est son secret. Amen. Mais regardez. Dieu dit, j'ai vu ses voix. Verset 18. Et ensuite, je les guéris. Amen. 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 Je lui servirai de guide. Et je le consolerai. Lui. Et ce qui plaira avec lui. Je mettrai la louange. S'il élève. Paix. Kimia, paix, Kimia, à celui qui est loin, na yo azali mosika, et à celui qui est près, na yo azali pene, dit le Seigneur, le binkolo, je les guérirai. Na kodi ki sabango. Amen. Et en terminant, il dit, na kosu ki sagalobi. Mais, kasi, le méchant, batuna kancha, sont comme la mer, baza lokola mai na mbu, agité, oui, ningi sami, qui ne peut se calmer. Oui, kovanda Kimia te. Et donc, et bah, et les eaux bah, soulèvent la vase et, la, bah, foulou, foulou. Et les limons. Foulou, foulou, et il n'y a point de paix. Pour les méchants, du monde. Nzambe na ngalo. Que Dieu bénisse sa parole. Vous entendez, frère. Vous avez le méchant. Batuna kanja. Comme les limons. Ça veut dire quoi? Na. Vous m'en imaginez, mais balé. Ce qui, quand ça bouge. Tango yego ningana. Les limons, quand c'est limon. Doublé, on va là au fond. On amène tous les saletés. On les jette à la surface. Et quand ça se calme, vous venez trouver
des histoires et des histoires. Même des caracasses de véhicules. Dieu compare les méchants à ce mouvement-là. Toi le frère, toi la sœur, qui fouille toujours dans la vie des autres pour chercher les choses qui sont cachées. Oh, Asalaka. C'est qu'il avait Alobaka. Fait, oh, il avait dit ceci. Tu n'auras jamais de paix. Mais que tous les élus croient de tout leur cœur. Dieu décide. Il te guérira. Il te consolera. Il te fortifiera. Il va t'affermir. Vous avez compris que ce message, ce matin, c'est pour vous dire, comme l'a dit Paul, nous prêchons la conversion à Dieu. La repentance avec les pratiques dignes de quelqu'un qui s'est repenti. Et vous devez aimer cela. Et celui qui aime cette prédication, il est déjà béni. Et le Saint-Esprit, là où nous avons lu avec vous dans Ézéchiel 39, vers la fin, le Seigneur dit, je ne laisserai aucun d'eux. Et il conclut le verset disant, car Jambi. Je répandrai mon esprit sur eux. Les rassemblements, c'est bien. Mais au-dessus de nos rassemblements, il faut prendre part à la repentance, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas les normes qui peuvent les donner. Nous prêchons le baptême du Saint-Esprit. Mais Christ baptise du Saint-Esprit. Nous prêchons la justification. Mais Christ justifie son peuple. Nous prêchons la sanctification. Mais Christ sanctifie lui-même. Que Dieu vous bénisse richement. Chantons Rocher d'âge. Pendant que le frère va venir nous conduire dans la prière. Rocher d'âge, je est fondé.